sécurité. Double G, franchement, tout à fait. C'est le gros ouais. troll de BI, ça, de mettre l'inventaire sur je sais pas comment il et de le passer. Je sais pas comment ils font pour lancer lancer des grenades. Vous, je suis toujours sur la touche G, j'ai pas de problème. Ouais, bah, c'est que tu la touches pas. Joué à Arma et OFP, ah oui, si t'as pas joué aux anciens, c'est normal que ça te gêne pas. C'est qu'en fait, sur les anciens, la touche, nous maintenant on appuie sur I pour avoir l'inventaire. Ouais. Avant c'était G. Ah, pendant deux volets, ils ont mis G. Et puis là, sur le troisième volet, trois volets avec Arrowhead. Et Flashpoint, ouais. Ouais, et Flashpoint surtout. Mais maintenant qu'ils ont sorti Arma 3, bah ils ont changé. Au lieu d'être G, ils ont mis I. Voilà, j'ai baissé donc en fait, qualité, nous, au début, le réflexe de tous, passer. Quand tu voulais ouvrir l'inventaire, c'est d'appuyer sur G. Plus et là, d'image de perdu. Bam donc, nickel. Ouais, parce que moi, j'ai ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Moi, j'ai toujours débuté par Arma 3, moi, donc... T'as pas de casque Non, Booz, il a pas besoin de casque, il a la tête dure. Par contre, il a volé bien les lunettes de rechange. Ah bah ça a toujours été les lunettes de Jean-Pierre Fleury, hein. Yo. Yo. C'est bon, tu peux te mettre en team rouge, s'il te plaît, dans le groupe. Sur Sylvain, en fait, c'est ça Sylvain, il est... Oh, mais fais pas de petit cochonnet, hein. Et après, tu mets... Non, mais je suis chez Lister, red. Déjà, normalement. Tu mets, ouais, join red team. Ouais. C'est à moi que tu parles à Wana, hein. Ouais, c'est bon. Merci. C'est juste que j'ai un repère visuel de... des trucs. Est-ce que c'est trop difficile de se souvenir? Monstre. Apparemment, ça risque d'être sérieux. Hein. Ah bon, il faut que ça soit sérieux, c'est justement ça. Il faut que ce soit super sérieux parce que ça va être super chaud. Les ennemis en mode 1, on va en chier. Voilà, donc on est sur Zergabat ce soir. On va devoir attaquer une villa. Alors, je ne sais il disparaît où d'un moment, faut que tu le remettes. Celle-ci. D'accord, ok. Ouais, je pense que ça va être celle-ci. Voilà, donc. On va être parachuté et évacué par hélicoptère. Une équipe de soutien nous couvrira pour avancer. Ça promet d'être très tendu. Ah, voilà, plus qu'une minute avant le départ. Hein, on sauvegarde encore? Oh. Ah, je crois qu'il va relancer le serveur. Booster Squad, vous sauvegardez tous immédiatement. On va relancer la mission. Bon. On va relancer encore la mission. Les grosses missions comme ça ont un peu du mal à démarrer. Mais bon. C'est normal, hein. il y a du monde. Je sais pas qu'est-ce que c'est que cette musique, mais. Très années 80, je dirais. 90. Fin 80, début 90. Je n'ai pas encore reconnu. Ah non, je me suis fait avoir. Ah, tac, c'est bon, on dirait. Ouais, Benny. Ça va, bah écoute. Ça se maintient. Oula. Je suis sauvegardé blessé. Ouais. On entend des fourchettes. Il y a eu un souci là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on relance pour le X-Med, il faut changer un paramétrage, donc on recharge vite et vous reprenez vos kits et voilà d'autres. L'équipe de Shep, on est 37 ce soir, ouais, moi, quand même. Oui, en haut à droite. Essayez de prendre le groupe dans lequel vous êtes, c'est-à-dire Shep, t'es où? Alpha ou Armachin, vous êtes dans le groupe Alpha 1-3 et le groupe 2, vous êtes dans le groupe de Alpha 2-1, comme ça au moins ça facilite les trucs. Et le sniper Alpha 3 en moi. Ouais, mais il y a trop de groupes. Il y a trop de groupes. Okay. Bah mettez-vous tout en bas. Vas-y, lance coche. En bas, d'accord. Et tu connais les paramètres de la mission sinon? Dans Alpha 3, il y a Gox qui a pris mon slot. Coche D'accord. T'as pas besoin du slot de médic, t'inquiète, c'est bon. Ouais, prenez des slots, on va relancer. Coche, il faut faire les paramètres de la mission, il faut la relancer. Au niveau des paramètres, Zargabad Elite, aiming, précision, tu mets au max. Le max, c'est chaud, hein. Ouais, t'inquiète, j'ai fait des tests. Il a prévenu. Les ouais, c'est ça. Il est en train de modifier tout ça. Ça va faire un beau match. Ça va être tendu. Tu peux mettre en 0 revive pour le X-Med, sinon ça. Non, ouais. Tu peux mettre autant de revive que tu veux. Le tout, c'est de mettre game basic respawn revive off. C'est ça qui est d'accord. Bah, c'est mis. Ok, bah, je te laisse faire alors parce que du coup. Fait. Merci.
Merci Coge. Destinion, faut pas l'oublier aussi. Toujours derrière. Ah oui, c'est vrai. Toujours OP sur tout. Hein. Si vous avez des questions, c'est lui qui connaît tout. Hein. C'est pas moi, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec la vidéo. Je connais pas tout le serveur, pas tout VTS, pas tout TeamSpeak. Mais c'est vrai que je connais beaucoup de toute la communauté Canard PC qui a un gros support là-dessus. Vraiment, personne qui est balèze dans tous les points. Des gens balèzent dans les UAV, balèzent dans les avions comme Léo et ainsi de suite. Voilà. Quand est-ce que je fais mon briefing, Sin? Tu le fais dès que tu peux là. Fais-le maintenant. Ouais, ce soir c'est sérieux. Hein. Ouais, je vous fais ça. Alors, juste une petite précision. Tu peux nous laisser encore 2-3 minutes. Je vais vous laisser une dizaine de minutes donc, pour ceux qui veulent faire leur briefing et ceux qui veulent finir de s'équiper. Et ensuite, vous aurez le briefing à partir de le gros briefing à partir de celui-là. Vous jouez vraiment sérieux, s'il vous plaît, par contre. Mais attends, est-ce que je peux pas faire un pré-briefing ici pour expliquer un peu la strat sa voix? C'est Shep qui va être le commandant général. Je suis Fazer ce soir, désolé pour te, pas tous. Donc, on va pratiquer pour l'assaut de la villa en tout cas. J'ai fait des repérages. Donc, je sors mes coordonnées GPS de repérage. Il y aura le Dominum Sniper, vont être aux coordonnées GPS suivantes. Donc, le premier Dominum Sniper sera en 055-037. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre. De prendre du gros calibre. Du gros calibre, merci. Et ensuite le dixième, 065-048. 065. Donc Viper 1, 048. Viper 1, 055-037, Viper 2, 065-048. Ah, effectivement, ouais. Oui. Okay. Ah, autant pour moi, je me suis trompé, les snipers, c'est les Vipers, c'est pas les Viper, hélicoptères. 048 bon. Ou 80. 48, j'ai placé les points, j'ai placé les points. Ensuite, pour les équipes de support, il y a deux hotspots de manière générale. Moi, je vois pas tes points, Shep. Hein. Parce que vous êtes. Ok. Si vous allez passer en canal squad, je pense qu'il faut que tu les passes en canal général. Ouais, c'est bon, en global. Donc, Viper 1. Ok, merci. Viper 2. Pour les équipes de support, ouais, ça va être chaud, vous avez des shoots à 1900 à faire. Mais vous êtes des snipers, donc c'est votre ouais, life. On maîtrise. Ouais. Vous êtes inscrit. 1900 mètres. Bah non, le wow. M107 porte jusqu'à 2200 mètres. Non, mais des voilà. Ennemis. T'as de la marge de manœuvre, tu vois. C'est bonus. Ça, c'est du chef. Il y a un groupe de support 1 ici. Je poserai des questions après. Et support 2 ici. Pour l'équipe d'assaut, l'équipe d'assaut 2 de l'Easter fera un contournement et attaquera par le nord en créant une brèche. Enfin, ils se débrouilleront. Je veux pas savoir comment vous faites, vous attaquez par le nord. Et moi, j'attaquerai par le sud avec DHP. Une petite précision. Donc, les binômes de sniper donc, pourront effectivement être parachutés donc, sur la zone indiquée. Par contre, pour ce qui est des autres équipes, vous serez parachutés. Vous voyez la zone. Mets un point. Mets-toi en global et mets un point. Sur notre point de parachute. Voilà, vous avez un point de parachutage à peu près ici et vous devrez progresser jusqu'à vos positions. Sachant que. Ouais, je vous donnerai le briefing après, mais pour mettre au point votre stratégie, le point de parachutage se fera dans cette zone pour les équipes. D'accord, donc ensuite on se débrouillera nous pour se rallier. Les voilà, Viper, par contre, vous allez glander, désolé, et voilà. Mais Viper 1 et Viper 2 pourront toujours faire du repérage, par contre, pour la progression des équipes. Hein. Ouais, vous notez l'intel, vous me spammez pas sur la radio, vous me le demandez quand je vous le demande. Ok, bien pris, et je voulais savoir, est-ce qu'on a droit au GPS? Oui. Ok. Tout le monde. C'est pas marqué autrement. Donc... Par contre, vous me confirmez, il y a que les snipers qu'on voit à thermique ou pas? Oui, affirmatif. Ok. C'est bon, les BG, on a droit. C'est un peu plus pratique pour attaquer, bah, surtout qu'on a des forces spéciales des États-Unis. On sait jamais. Magnolia, il filme. Tu vas aller voir les forces spéciales, Ben Laden, il a fait un bon spot de propagande. Est-ce qu'il y aura des véhicules lourds avec des calaches, hein. On n'a pas daté, je sais pas si on aura des véhicules lourds, mais en tout cas, vous fuyez s'il y en a. Je vais pas vous faire un coup de putain, mais personne comprend jamais ma blague. Fais chier. Les Chinois, s'il y aura des véhicules lourds. C'est toi qui es lourd, Coge.
Hackman, film. Un live, streaming. CH ou TFR. Bon, bah, c'est ouais, je suis pas content, il paraît que ça rame. T'as un truc à ajouter avant? Avant que ce soit le bordel, je veux dire. Équipez-vous et préparez-vous à jouer RP, puisque va y avoir le briefing d'ici 5 à 10 minutes. Donc, alors, moi, j'ai juste une question. T'as dit que les Breachers pouvaient prendre un sac à dos, mais c'est pas indiqué dans le briefing ce qu'on pouvait prendre dans le sac à dos. Dans le sac à dos, vous pouvez prendre du C4, donc des charges explosives, pardon. Alors, les charges explosives ne serviront pas à péter les murs, bon, par exemple, autour de la villa, tout simplement parce que j'ai fait un test et ils ne sont pas destructibles. Par contre, vous pourrez peut-être péter des bâtiments si le commandement vous l'indique. Ça sera peut-être utile. Des munitions, peut-être en rab. Et puis une deuxième arme, moins. Enfin, pas fusil à pompe si vous voulez. PDW-2000. Une arme de rifleman ou je sais pas, n'importe, avec des munitions pour les riflemen et pour votre fusil à pompe, quoi. Ok, ça marche. Merci. Des armes de Rambo, quoi. Question, voilà, Slayer-Tom, il est support 1 ou support 2? Le 2, je suis Oscar. C'est le 2, je crois. Okay. Oscar. On y va? Bernadette doit mourir. Allez, c'est parti. Ouais, les gars, pendant que ça charge, okay. Rejoignez le groupe. Je te laisse recharger la mission. Ouais, je te laisse placer le shop où tu veux et tout ça. Ok, merci. À tous ceux qui m'entendent, c'est Dulgan, pareil. Vous pouvez rejoindre mon groupe. On stream ce groupe. Le groupe de DHP, vous mettez en bleu. En bleu, ok. Slayer, vous faites pas chier, vous laissez les autres quitter le groupe. Laissons-les travailler un peu. Je suis rouge, moi. Coche. Tu as fini ton briefing ou pas? Un autre truc qui est rouge. Il y a un mec qui est sur le toit là. Si je saute, je me pète les deux jambes. Attends, c'est qui, c'est saucisson? Ouais. Saute sur la porte. Saute. Sinon je saute. Saute. Chef, est-ce que tu pourrais venir au sud du shop, s'il te plaît? Chef, est-ce que tu pourrais venir au sud du shop? Je ne sais pas où tu es, chef, mais est-ce que tu pourrais aller au sud du shop? Si, tu pars vers le nord. Non, c'est des synchros, attendez que le shop soit chargé. C'est normal. Tarbuck, ouais, c'est Calister, la fin de chargement qui fait ça. Tarbuck, c'est Chris. Bah, Goya, c'est parti. M'entends? Tu veux l'appeler à la radio? Pardon, j'ai pas compris. Tu peux rejoindre mon groupe si tu m'entends pas. Oui, pas pour. Attends, je cherche mon groupe. Ouais, pas de soucis. Oh putain. J'espère que ça vous plaît. Je vais mettre devant toi. Ouais, non, justement, je cherchais à me mettre devant toi là. J'étais pas dans le shop. Tu vas pas réussir à choper le shop de toute façon. C'est leur Tom, tu peux vérifier que je suis bien dans ton groupe. C'est qui parle? Je n'ai pas reconnu ta voix. C'est Darkness. Darkness, t'es bien dans mon groupe, je confirme. S'il y a deux mois. T'as ton shotgun. T'as mis que c'est ça? C'est vrai? Ouais. T'as mis quoi dans ton sac? Parce que j'ai l'impression d'avoir du mille quoi de trop de trucs. T'as pu t'équiper en 25? Pareil. J'ai équipé en 25. Parce que là, je suis chargé. Non, je pas mis. Chargé à rien. J'ai plus de la moitié de la barre blanche en bas. Moi, il m'a chargé un sac, mais c'est pas le bon sac. Le nom de la radio. Alors c'est normal saucisson, c'est parce que le VTS te charge le sac de médic et dans le sac de médic il y a un medikit et des first aid kits. Non moi il m'a bien sauvegardé ma protection. Ok. Bon bah c'est bizarre. Dark Ballister, t'as choisi un endroit particulier pour y Ok, je vais faire popper le X-Men. Hein. Oui. Non, j'arrive pas à passer ça quand on va. On va au nord, toujours au nord du shop, on se rejoint sur la route. On va attendre, il y a pas de bruit. Il m'a dit jaune et vert pour les trois points. C'est bon, je vais. Ouais d'accord. Ah c'est bon, tu le vois? Ouais, mais attends, pas sans rentrer. T'as combien de bandages? Du viol. Ok, ça marche. Non, c'est pas vous. Ok, Alistair, je suis là. Yes. Par contre, moi, les touches pour le mettre les bouchons d'oreille ne marchent pas. Pour mettre quoi? Les bouchons d'oreille ne marchent pas. Ah ouais?
Là ça marche. Ah, ouais, ça y est, c'est qu'il avait pas lancé le. Ouais, qu'il avait pas lancé le module, je m'en doutais un peu. Il te manque qui? Bah, je sais pas, ça vient juste de s'enlever là. Moi et Awana on cherche, on sait plus c'était qui. Alors attends, Eric. Eric il est là? Normalement t'as Koj, Benji, Ragboy, Eric, Awana et toi. C'était donc Eric. C'est Eric okay. Qui est pas là. Alors, les on le remplace par quoi les mecs qui sont en liste d'attente? Wow. Je sais pas, on va voir avec Sin parce qu'il va peut-être arriver. Ah, qu'est pas ça, qu'est pas ça. Ah bah. Il manque un joueur. Mettre les bouchons. Support 1, on se rejoint au nord-ouest, Coupe d'Ulgan au nord-ouest. Ah oui, la radio. Ouais. 5. Ouais, on va peut-être jouer un peu, je vais voir. Tu le gagnes pour ce qui est ? Ok, bon, voilà, je vous ai mis des petits messages sur le chat. Bon, donc, n'hésitez pas à me dire ça rame chez moi, ça rame pas chez moi. Je sais que chez des personnes c'est nickel, ils m'ont mis sur Facebook, ça passait très bien. D'autres, je sais qui ça rame. J'essaie de, bon. Voilà, de faire un compromis entre la qualité et la capacité de plauder pour vous, enfin, de downloader pour vous. Parce que moi, de plauder pour l'instant, ça se passe très bien. C'est briefing quand le compteur est fini. Ah, je croyais qu'il venait de le faire le briefing. Non mais pour qu'on que nous avec Shep et les autres on puisse donc ouais bah je crois que Sylvain qui était mon fire team leader n'a plus de rifleman. Salut C4. Donc on était tous les deux C4 mets toi en moi je sais plus bleu, qui l'autre bah. Dans le... bref dans le... j'avais Benji en marksman en marksman alors ça c'est énorme. Koj en breacher et Awana en medic. On obéit aux ordres de la, du team leader Lister avec un médic d'Albat. Je pense qu'à corps de Gin Tonic aussi, Riffleman Gonza. Maximum en radio qui s'éclate toujours en radio. Et C4 en Marshall. non, et il posera pas de C4 ce soir, je crois. Enfin, je crois. Bah attends, le Hendrix. C4 ce soir, tu poseras du plastique? C'est C4 qui pose du C4. C'est moi qui je tourne avec un petit verre de Devil's Cut, tu vois. D'accord, moi aussi. Tu as quoi? J'ai un petit verre de Devil's Cut, le Jim Beam. C'est une édition Jim Beam. Jim Beam, tu connais pas? Non. C'est du bourbon. Berk. Mais un verre et un seul, quoi. De temps en temps, ça fait pas de mal. Ouais. Ça réveille. Du bourbon, quoi. C'est du bourbon, quoi. Tu pisses dans la bouteille pour l'améliorer, ton bourbon? Ah non. Bon bah là on attend le briefing Sylvain pendant que t'es là. Donc en fait GM, moi je pensais procéder. Donc on va rester les teams quand même assez proches les unes des autres entre ta fire team et la mienne. Et vous serez celle de qui ouvrira la route. Vu que nous on aura les comms radio. Tu m'entends Sylvain? Ouais je t'entends. Et ouais on vous suivra une centaine de mètres derrière quoi. Et ce qu'on fera on progressera par petits bonds. Je verrai après avec Shep comment on va faire pour se déplacer jusqu'à mon point. Une fois qu'on y sera, en fait, on essaiera de faire par échelon. Quoi. Vous avancez, vous prenez position, vous nous couvrez, on passe au-delà de vos positions, on avance un peu, on s'arrête et ainsi de suite. Okay. Ah, c'est le Yves Turner. Ah, c'est le Yves Turner ça. Le Gary Turner. On commence là où t'as ton point. Non, le Yves Turner, tu non, prends. Bah, on commencera l'assaut là-bas, mais on est parachuté sur point parachutage qui est tout à l'ouest. Là. Je sens que, je sais pas pour toi, Lister, mais que l'équipe soutien 2 va se. Support 2 va se faire arroser. Ouais, parce qu'ils sont proches. Ouais, et on est donc console ou support 1, je pense que ça non. passe. Support 2, nous on est 150. Support 2, ils sont vraiment prêts. On a un autre mec alors. On va attaquer par le nord-est. Ça, ça va être cool. Je verrai avec. Ben. Je pense que c'est Ben Laden. Merci. Cours de petit gâteau. C'est Ben Laden, c'est ça? Ouais. Bon, pensez à mettre vos earplugs maintenant, ouais. Ça vous serait tranquille. On a des silences. Tu t'appelles l'earplug? Allez, bouchon. Ouais, mais même avec. J'ai quelqu'un qui a un super téléphone. Que le live est super. Je sais pas, j'ai pas essayé, mais on les met comme ça, on sera tranquille. Je sais pas, j'ai un chat bien. Restez là, je vais aller voir. C'est super, ça fait plaisir. Ok, maintenant que tu le dis. Je sais que pour les petites connexions, impossible de voir. C'est quoi, je fais 3 secondes. C'est pas faux. C'est ça d'habiter à la campagne, Bruno. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Je sais pas si je pourrais demain, mais si je peux. Tire ta fibre. Tire ta fibre toi-même. Creuse une tranchée. Ouais. Je voulais dire que. Voilà. Je suis désolé. Non, je joue les Rupins alors que ça fait presque 10 ans que j'étais avec une petite connexion. Oh là là, moi je suis pas avec Check Six. Hein. La dernière fois, je me suis fait reculer comme un poisson pourrier parce que j'étais descendu en dessous de 3000 pieds. Alors. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, non, moi je joue plus avec eux, c'est des putains de nazis et tout. qu'ils aillent se faire foutre. Hein. D'accord, ok. Juste, saucisson est là. Non, elle est pas là. Alors, format est pratique, il y a plein de tutos sympas et tout, mais attends, jouer avec eux, je préfère encore. T'as déjà joué avec les mecs de Check 6 là Enfin, ouais. C'était pas vraiment le truc organisé par Check 6, mais c'était des mecs qui faisaient partie de la communauté et j'en ai Et tu t'es fait engueuler parce que tu es descendu au moins de 3000 pieds? Bah, je sais pas, les mecs ils disaient il faut rester en altitude et moi j'avais plus que mes rocailles, et le CCRP il commençait à me faire chier parce que ça marchait jamais. Benji, t'es où? Tu l'as? Ok. Ouais, ce que je comprends parfaitement. Blablabla, ouais. bla, etc. et compagnie, et patati patata. Et puis après, il y a un mec qui s'est pris un SA2 de sortie de nulle part et il a dit de la boue parce qu'il s'est fait griller alors que ça faisait 10 minutes quand il tirait des Mavericks dans la maison. Je reviens dans 30 secondes. T'as une sorte de tireur d'élite en fait là. Alors tu dirais que bon, j'ai fini par me faire descendre par un SA7, mais ça c'est un peu normal. Benji. Oui. Mais d'accord. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Booz et Booz et Lister, je crois, jouent à DCL World, DCS World. Donc c'est un jeu très pointu d'aviation qui est en free to play sur Steam. Peut-être dirait-on free. Free to win en fait, enfin pay to win parce que bon, il est livré de base avec 3 appareils seulement. Et si on veut s'éclater, il faut forcément passer à la caisse. Mais il y a des réductions régulièrement, des promos. Et j'avais téléchargé, je m'étais dit, allez, je vais m'y mettre avec Léo, avec le Booze et tout ça. Et j'ai pas eu le temps, pas eu le temps du tout. Il manquait un joueur en fait. Il n'y a pas. Et là, j'ai dormi ces derniers temps, j'arrive à faire Sylvain. Tu verras là comment on la voit, je suis en train d'organiser après le reste. À tenir jusqu'à... Ok, ça va. Jusqu'à arrêter le complet, mais j'arrive à me connecter. Ah bah, désolé, c'est toi qui as le commande. Ouais, je suis pas le refium, j'en fais pas souvent. T'as pas de spécialité, en fait, là, quand je regarde le deck. C'est une spécialité, mec qui meurt dans un chambranle de porte et qui ouvre la porte. C'est là. T'inquiète pas, j'ai l'habitude. C'est pas grave, y'a pas de soucis. Je sais, est-ce que tu m'as déjà remplacé en radio? Merci. Je te vois souvent en arrière, rarement devant. Ah bon? Ah bon? Okay. Bah, c'est normal, les vidéos où tu me vois devant, elles durent une heure, et celles où tu me vois en arrière, elles durent deux heures. Ouais, je sais. Ah bon, c'était bon. Ok, merde. Tout le monde. Wow. Shep. Oui. Oh, c'est la nuit noire, là. Ah, c'est bon, pas on se rejoint au sud, Shep, tous les deux. Vous allez vous diriger au nord, vers le hangar, et vous asseoir pour le briefing, s'il vous plaît. Tout le monde. Ok. Ah, direction au nord. On est dans une petite base concoctée par Sine. Ouais, j'ai perdu mon sac. Elle est sympa ta base, Sine. Est-ce celui qui rentre dans ma tente, je peux te dire. Ouais, c'est les tentes canadiennes, ça, c'est d'enfer. Ouais. Ça me rappelle mes 15 ans en Angleterre. Ouais, y'a pas de lampe, quoi. Des lumières, hein, parce que... Eh, je me suis cogné contre une chaise là. Aïe! Tu vois, il y a des mecs on qui font même pas une chaise. S'asseoir, l'arnaque. Et... Ici, tu peux t'asseoir. Hein. Comment? Je peux poser une charge explosive. 085. Faut être face à la chaise. Face à la chaise. C'est qui a renversé le tableau, les gars. Ouais, moi, il faut. Déjà les touches pour s'asseoir là. Putain, 085. Avec le tableau. Bon, on fait pour s'asseoir. 085. Et pour garder ta chaise, tu m'aides? Face à la chaise. Alors 085. Voilà. Oh, nickel. Il a dit qu'il l'a fait. Hein. Et il faut que. Pas des mouvements. Moi, je suis premier, je suis devant. Disco. Moi, j'ai levé d'un petit canard, je suis tout à la fin. On a un écran de cinéma derrière. Yadou, s'il te plaît, merci. Ouais. Si vous pouvez, c'est tous vous asseoir. C'est risqué, j'ai t'as une chaise en bois, quoi. Classe. Je répète, si vous pouvez, asseyez-vous tous 085 devant une chaise.
Ah ouais, ça marche avec le sac de vin ça marche. Et il faut regarder la chaise, les gars. Regardez la chaise. Là, il y a Jean-Michel Jarre aussi ce soir. Vous la regardez, vous faites voilà, 0 au bout de 5. Sauf ce soir. À la contrebasse, Jean-Michel Jarre. Sauf ce soir. À la contrebasse. Je veux pas avec vos lasers, les abrutis. À la contrebasse. Merci. Refaire. Sauf ce soir. Ah, du gars. Je me sens pas visé. Moi c'est pas laser, même, ça fait assez bien. C'est clair. Ah, du gars, c'est stylé, ça m'en rend. Bon, ça, arrête de jouer à Chucky avec ta lampe. C'est clair. Moi, ça marche pas, j'ai un sac à dos. Mais ça marche quand même. Allez, 3 secondes, on va prendre sérieux. Sérieux. Sin, il est là, Sin. Non, non. Attendez, la fin du livre va arriver. Bon, on va voir quoi comme film ce soir. Claire Morgan, elle présente des bêtisiers maintenant. Il y a un changement de programme, je vous l'ai pas dit. Ok. Ah merde, sur le hangar. Poignade générale, sous la tente. Ça regarde que toi. Hein. On est assez pour se faire une biscotte. Hein. Sans moi la biscotte. Ça va être difficile ceux pour qui la mangent. Bonjour, ça ferme les gars. Ça va. Bonjour. Regarde là, vous. Nous avons l'honneur d'accueillir le président de la République. Barack Obama. That's me. Voilà. Voilà, total. Donc bienvenue à lui, je vais lui laisser dire deux mots avant de commencer le briefing. Messieurs, la situation est grave. On a trouvé la planque de Ben Laden. Vous allez devoir lui péter la gueule avec tout ce que vous avez sous le coude. Je vais laisser maintenant le colonel je sais plus quoi vous faire le briefing. Rapproche-toi. Merci monsieur Obama. Alors, vous allez ouvrir vos cartes s'il vous plaît. Nous allons commencer le briefing. Ah, moi j'ai pas de carte. Donc nous avons fait le Ben Laden. T'as la carte du président, toi. Heureusement qu'on a dit sérieux. Sérieux. Donc, s'il vous plaît, donc nous avons repéré Ben Laden dans la villa au nord de Zargabad. Il a avec lui donc des hommes de main très bien entraînés. Donc ce ne sera pas la même chose que d'habitude pour de simples talibans. Ils sont très bien entraînés et visent très bien, vous avez pu le comprendre ça au cours d'un briefing précédent. Donc pour ça, vous avez plusieurs entrées comme vous avez vu, il y a un mur d'enceinte. Donc une entrée principale qui passe par la route et une entrée par l'arrière. Il y a sûrement des rondes d'hommes de main de Ben Laden, de garde du corps, autour de la villa. On ne sait pas exactement combien ils sont. Vous savez qu'il y a la villa sur la gauche. Sur la droite, vous avez trois bâtiments, un poste de garde. Le bâtiment du personnel, c'est le plus au sud. Donc là où le personnel dort, etc. Donc il y aura peut-être des talibans à l'intérieur. Il se peut que vous croisiez des personnes non armées dans le périmètre de la villa. Vous devrez les abattre, ce sont sûrement des talibans qui seront peut-être, sûrement même réveillés par les coups de feu et qui iront chercher des armes. Donc vous avez autorisation de faire feu. En revanche, toutes les personnes non armées à l'extérieur du périmètre de la villa seront considérées comme des civils. Et vous avez interdiction de les abattre. Si malgré tout vous repérez les civils, évitez-les à tout prix. On ne sait pas si certains civils connaissent Ben Laden et peuvent le contacter. Donc on va éviter un moyen de communication entre Ben Laden et les civils. Donc ne vous faites pas repérer. C'est pour ça que ce sera une sorte d'infiltration jusqu'à la villa, depuis le point de parachutage. Les snipers pourront vous couvrir depuis leur point, et une fois en position, vous pourrez attaquer la villa. Je vous donnerai des instructions de QG, les instructions importantes, on va dire. Donc ne contactez pas le QG pour rien, de toute façon, il ne sera pas forcément toujours disponible. Et ce sera un peu inutile. Donc voilà, c'est tout ce que vous devez savoir. Progressez vers la villa, pour toutes les équipes, sauf pour les snipers. Les équipes de support, donc bien entendu, vont devoir appuyer pendant la progression également. Et c'est tout ce que vous devez savoir. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions à propos de l'opération? Oui, de Chris, à quoi ressemble Ben Laden? On va dire que ça va être un peu difficile. Tout ce qu'on sait, enfin de toute façon dans le noir, ça va être un peu difficile de le repérer, mais avec des JPN. C'est sûrement rasé, alors on sait pas trop comment ça va se passer. Il a une G là-bas comme tous ses hommes de main. Par contre, il est sûrement pas sur le toit ou en train de faire des rondes la nuit. D'accord. Peut-être dans une pièce, dans une chambre ou voilà, un endroit comme ça. Donc c'est important de savoir à quoi ressemble la cible quand même. Oui. Moi je fais 1m93 moi pour info. Ouais, bah, j'ai à côté de lui. Moi j'ai une question. Saisis ou on le tue simplement sans... ouais. Vous avez pour ordre de l'abattre. À partir du moment où vous entrez dans le périmètre de la villa, vous avez autorisation de faire feu sur tout ce qui bouge, hormis vos alliés bien sûr. On peut tuer les femmes et les enfants. Moi j'ai négatif, de toute façon il n'y aura pas de femmes et d'enfants dans la villa. Ils aiment pas les femmes. Il n'y aura pas sa femme. Bah si, non, il y a sa femme. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ses femmes... Il y a deux de ces femmes. Laissez parler les questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la ville soit hostile? Comme je vous l'ai dit, il y a des civils. On ne sait pas exactement quels moyens ils ont de communiquer des informations à Ben Laden, s'ils sont avec lui, s'ils savent qu'il réside ici. Donc évitez un maximum de vous faire voir, c'est tout ce qu'on peut. C'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, c'est tout. Évitez de vous faire repérer, mais a priori il n'y a pas de talibans dans la ville puisqu'elle est sécurisée. Ok. De Gadou, est-ce que les talibans ont des JVN ou autres? Négatif. Mais ça ne les empêchera pas de vous allumer. Enfin, je pense que vous en rendrez vite compte. Sur la nuit est claire, hein, donc j'y vais. Voilà. Allez, sauvage. Allez, sauvage. Est-ce que c'est tout? Vous avez d'autres questions? Question. Non. Oui. Est-ce que l'ISCS pourrait éventuellement nous traquer après l'opération? On n'a pas vraiment d'informations sur ça. Service secret pakistanais. Enfin, ouais, mais on n'a pas d'informations sur ça, sinon vous l'aurez communiqué. Comment tu les appelles? Et l'évacuation? Oui. Comment se passe l'évacuation? Pardon? Ouais, comment se passe l'évacuation? L'extraction, ça sera sûrement soit par hélico. Ouais, ce sera sûrement par hélico, je pense. On vous enverra un hélico sur place. Enfin, plusieurs même, si, de toute façon. Et voilà. Au fait, pendant que j'y suis, les équipes d'assaut devront essayer de récupérer un maximum de matériel pour récupérer des informations sur la villa, voilà, exactement. On des photos. Une fois qu'on a buté Ben Laden, on ramène le corps ou pas? S'il est en pickleball, s'il est en pickleball, oui. Alors, non, mais par contre, avec le X-Med, tu peux. Il faut juste que tu fasses l'initialises en X-Med. Oui, mais non, ça sera pas nécessaire. On détruira. Vous détruirez la villa après votre passage si vous avez des explosifs. On prend ça comme une question pour les snipers. L'extraction, on devra se déplacer jusqu'au point d'extraction dans la ville aussi alors. Affirmatif, où on vous enverra un hélico qui passera sur l'exotime de sniper. Ok, bien reçu. Voilà. S'il n'y a plus de questions, vous pouvez vous lever et vous allez vous répartir par groupe pour qu'on puisse commencer le parachutage. Oui. J'ai un bug avec la longue portée, j'arrive pas à la charger. Tu n'arrives plus là. J'arrive pas à la charger. Si ça marchait, mais putain, ça bug. J'arrive pas à le faire. Je l'ai. Ouais, tu l'as. Des sacs vides pour avoir un sac à dos. Moi j'ai une question aussi. Comment on se lève de la chaise? Voilà. Allez-y, mettez-vous. Molette et stand. C'est normal, il y a un bug, faut qu'il se dépêche. Quand tu le prends, faudra que vous soyez vite TP, autrement ça va recommencer. Oh, franchement, je prends un parachute et je vais lui casser les couilles pour qu'il me fasse un chop dès qu'on a. Non, mais c'est bon. Si tu te parachutes dans 5 minutes, ça va. Alors attends, tu sais ce que je vais faire? Je vais le foutre par terre. C'est le sac à dos qu'il faut foutre par terre en fait. T'as le bat pour Disty? Présent. Ok, t'es présent où? On va rester vers les tableaux. On va se rejoindre vers les tableaux où il y avait le briefing, ça sera plus simple, il n'y a personne.
D'ailleurs, pour la squad Oscar, on va aller au shop qui se trouve à Zimut 200 attendant okay. d'être téléporté. Donc, Sylvain. Sylvain, il est. C'est bon, il est assis là. On attend. Lister, t'as vu pour l'autre joueur? Ouais, c'est saucisson. Ok. Donc, putain, toi, tu gères ton ordre de marche dans ton équipe comme tu le sens. La seule chose que vous faites, c'est que vous partirez devant nous. Donc, comme je disais tout à l'heure, une centaine de mètres devant notre squad. Vous serez la fire team qui ouvrira la marche. Et ce qu'on fera, donc sur point parachutage, on se retrouve sur une IR grenade. Donc en fait, je la poserai, vous la verrez avec les... Vous la verrez avec les Night Vision. Pour le reste, il y a l'équipe de Shep aussi normalement qui sera avec une IR, donc vous avez une chance sur deux. Je vous donnerai plus de détails à la radio suivant l'endroit où on sera. Tous ceux qui sont pas sereins avec le parachute, vous l'ouvrez à 200 mètres, pas en dessous. Les autres, faites ce que vous voulez, vous assumez. Pour la suite, ben voilà, on évitera toute saut de vie dans 5 secondes, jusqu'au point sur zone. Tu ok. Peux pas mettre une chemlight, à toutes les gars. Plutôt qu'une IR. J'ai une chemlight bleue si vous voulez. Okay. Chemlight bleu, ok. Oh putain. Chef pour Lister. Ah, j'ai oublié le parachute. Oui. Pas de chance. C'est pas mal ça, ça c'est pas mal. C'est quoi le point de ralliement? Point de ralliement. Et je le donnerai une fois que je serai au sol, les gars. Posez pas 150 questions, on laisse les coms radio libres. Merde, m'entendez pas. Bon. Et après, tu vas percevoir que j'avais coupé mon micro. Essayez de viser le croisement qui se situe à gauche par rapport au point de parachutage quand vous regardez en direction de l'objectif. 300 mètres, ça te va? Allez, attention, on va ouvrir. C'est parti. Ok, ouverture parachute. Je confirme de Rackboy. On a déjà un mort, il y en a un qui s'est écrasé là. Ok, j'ai vu. Donc il y a Benji s'est écrasé. Je viens sur la zone. Et ça se répare ça, un mec qui s'est écrasé sans parachute? Mister, au croisement, j'ai repéré des unités. Bien pris, communiquez pas trop à la radio, on laisse les gens atterrir, on verra après. Oh putain, bah en tant que parachute... Laissez-moi le temps de mettre une chaîne là. En tant que parachutiste, touchez pas les murs. C'est pas Boost de Vache qui s'est écrasé là avec ses explosifs? De coche au sol. Je suis en 034-048, clavier 5. Ouais, donc on va se regrouper. 034-049, clavier 4. Hier, grenade posée, j'ai plus les chemlights. Bon, bah ça commence très fort ce soir. Déjà deux morts à l'atterrissage. Un qui a explosé et l'autre qui s'est écrasé comme une crêpe. Allez, on va faire un dernier virage et se poser. Ok, un mort au combat, le marksman qui est tombé. Le parachutiste qui okay, une fois qu'on est sur zone contact civil, sur le village azimut 70, vous les laissez tranquille, on se met en couverture tout azimut, on attend que tout le monde soit sur nous et on procédera à la marche. Ouais, les 5 et 2 sont... Et bien pris, qu'est-ce qu'on fait des morts là? Ok, là c'est bon, j'ai réussi à te le prendre, vas-y tiens, ramasse-le. Attends, arrête de bouger. Okay. Il est sur ton. On a Benji à terre. Allez, on se pose. Qui c'est qui a chuté dans notre équipe qui est mort? Parfait. Ok, c'est pas avec nous. Je sais pas. Non, parce que c'est 4 avec nous. Ok, de Rackboy enfin au sol. C'est pas nous. Ok. Y a Rackboy qui dit qu'il est au sol. Il est où, Sylvain? Ouais, Rackboy il est là, je le vois. Ouais, je suis là. Ouais. Ok, de Maximum, j'ai eu un petit souci, j'ai perdu ma longue portée, donc je vais attendre que Julien s'occupe de moi. C'est Benji. On reste en couverture tout azimut, vous faites bien gaffe tout le monde, Boost, tu mets à genoux s'il te plaît. Et je vais procéder à un listing de tous les effectifs. Vous dites présent, alors allez lancer votre pseudo, ok? Je commence, C4. Présent. Groupe A1 les gars, avec moi. Maximum. Présent. Dalle. Attends.
présent, mais je te trouve pas. Ouais, mais c'est un sac de... Attends, ouais, attends, je te le pose. 034-049. Tiens, il est posé par terre. Boost, t'es là, Sylvain, t'es là, Awana. Ouais, tu peux le prendre maintenant. Ouais, présent. Yorick. Yorick, il est pas là. Rideboy, t'es là. Benji, t'es là. Koj. Ouais, je suis là. Ah bah, Benji est là, finalement, il s'est pas écrasé. Koj. Tu t'es pas écrasé, Benji? Présent de Koj. Non, non, c'est bon, ça s'est arrangé. Ok, d'accord. J'ai eu un bug. 034-049. Pas de petit avec le diable. T'as toujours ton sac à dos, Benji, hein, tu peux le jeter. You, Koj. Enfin, ton sac à dos, ton parachute, pardon. T'as pas cité tout le monde là, non? C'est exprès. Bon, ordre de marche, ça sera Rayboy, Saucisson, Benji, Sylvain, Koj, Awana. Ah, ok, ouais. Bien pris, Sylvain. Dans le doc, j'ai pas vu. Ah merde, si Saucisson est pas là, Benji, tu prends, tu seras en deux. Ah merde, oui, ici. Ouais. Ah putain, logiquement, il doit être là. Maximum, c'est bon? Ouais, c'est bon, j'ai plus de radio. T'as un sac mental, pourtant, je le vois. Ah si, Saucisson est là. Bah oui, mais je sais pas. Ouais, bah vous me mettez à la fin. Saucisson, t'as entendu? Faut que tu le mettes sur les gars, fermez la tête, mais je suis en médic. Mais j'ai rien, moi, dans mon inventaire. Non, mais le à la fin. On a qu'un seul médic, t'es juste simple fusillé. Non. Le médic, en fait, c'est Awana. C'est comme si j'avais pas de sac. De quoi je non, mais dans ton menu d'action. Non, mais j'ai rien. En fait, t'as changé. J'ai déjà choisi, en fait, c'est Awana. Sylvain, tu peux répéter ce que t'as dit. Ouais, mais Sylvain, il a un sac à dos là, avec des trucs sur lui. Moi, je peux même pas y avoir accès, il est pas dans mon inventaire, je peux rien faire. C'est bon, je l'ai pris, je te le repose par terre. Attends, Benji. T'as dit quoi, Benji? Tu peux répéter l'ordre de marche que j'ai pas entendu. Avec tout le bruit. Ça sera Rayboy, après Saucisson, toi, moi. Koj et Awana. Koj, ton sac. Bon, la musique, c'est bien, mais... C'est un tout petit peu baissé. Non, mais faut voilà. Ça va, Saucisson? Mmh. Ok, ouais. Quoi? Ça va? Et c'est pareil pour ouais, je viens d'apprendre que je me suis fait chier ma stuff medic pour rien, en fait. Bah, écoute, c'est pas grave. Tu assures à ma survie. Parce que tu me connais, moi, devant. Ah, ils auraient dû te dire que t'étais pas médic. Moi devant, mort au tournant. Qui est-ce qui est Lister? Pareil. T'as quoi comme flingue toi? Bon, 416 de base, c'est QB. Ok, je suis pareil. C'est ouais, c'est ça, 416, c'est QB, rien de plus. Ok, là tu vous devez m'entendre. Ouais, c'est bon. Il est où mon sac là? Ton sac il est devant toi, voilà. Tu le poses par terre. Ouais. C'est qui Saucisson qui t'a dit que t'étais médic? Lister. J'étais médic à la base, enfin c'est pas grave. Ah non, le médic il était déjà choisi depuis le truc en fait, vu qu'Eric était pas là, il nous manquait un soldat de base en fait. Pas oh, c'est pas grave. Bah c'est pas grave, on s'adapte c'est Sylvain, il y a aucun plus. Souci, justement, faut prendre ça du bon côté. Et peut-être plus, justement, ouais. Ouais. Peut-être tu vois, Benji, tu mets Benji en deuxième, non, tu te mettras juste après Saucisson, comme okay, ça on va Sylvain, faire... Sylvain, mettez-vous en progression, on va contourner le village par le nord. Donc on a atterri on va aller en direction de par le nord là-haut. J'essaie de traverser la rivière sur le deuxième pont qui est en 041-042. D'accord. 041. On va faire comme ça et redescendre. Ah, c'est bon. C'est quoi ça? C'est quoi ces cloches? Ok, Sylvain, quand tu veux. Hein. C'est parti. Pour c'est parti. Là. Ok, de. Ok, de Rackboy, j'ouvre direction au nord. Bon, comment pas Sylvain, vous suivez les retardataires. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Alors, une route. Gauche, t'es avant-dernier. Ah, c'est Awana le dernier. Bon, donc là, j'ai. C'est qui ça? C'est à nous ça? Dans Rackboy, j'ai présence ami devant nous. Donc on va les rejoindre. Ouais, t'as vu Saucisson sur notre droite? C'est. Ah oui. C'est tout près du civil, ouais. J'ai pas eu de retour de radio de Sylvain. T'as avec moi, Sylvain, tu m'as entendu?
Ouais, je t'entends. Si vous voulez communiquer au sein de votre team, prenez pas la radio, mais faites-le soit par echoing, soit par yelling. On est deux, enfin les deux fire teams sont sur la même radio, donc évitez de trop communiquer dessus. Ok, mais de Ragboy bien pris. Bah c'est une bonne chose, hein, parce qu'il y en a beaucoup, effectivement, les accidentaires ça peut arriver, mais moi ça arrive, et c'est vrai qu'il vaut mieux mettre les deux doigts sur le bouton de la souris pour éviter ça. Ok, on est là. Dragboy, je fais une pause. Je fixe, je suis à ta droite. Ok. On va se mettre en healing. Ok, on va les suivre. On va les suivre. Ils prennent la bonne direction. Donc, je vais éviter le village qui est à plein est. C'est parti, mon kiki. Ouais, je t'entends. Vous êtes aux arbres là-bas. Ouais, on t'attend. Pas de course. Troisième, par contre, la deuxième. Je suis bien ton arme. Je suis le mauvais. Parce mec. Que tu m'as pas prévenu quand t'es parti. Ok, bah c'est parti. Bah je te le dis, t'as pas entendu Dark? Salut Slayer, ça va? Okay. Allez, on est reparti Dark. Bon, très sérieux Slayer, pas grave. Ah, salut Rack, désolé, j'ai été concentré. Un petit là. Mot pour ta maman, quelque chose? Non. Ouais. Allez, on va passer par là. Là, on voit déjà la route. Attends, le fleuve il est là, ouais. Ok, on se fixe ici. Ok, là je vois la route, le village, bon, ça doit être là. Ça doit être ça, ouais. Je couvre nord-est, moi. Ok, on va continuer azimut 100, 110 et on va traverser par là. C'est parti. Attends, Lister a dit rester ici. Vas-y Sylvain, ouais, okay. Je suis là. Ouais. Essaye ouais, directement aller en direction ouais, du pont. On va passer. Une fois qu'on a passé le pont, on reste bien du côté de l'espèce de rivière. Alors la rivière a séché ou pas? C'est ouais. Le petit lac, hein, on ouais. Sera au nord du petit lac. Ouais. Elle est asséchée la rivière? Ah bah on peut même se fout ouais. Dans la rivière et on avance jusqu'en 0.48 tout simplement. Check. Je vais mettre okay. Un... Ok, bien pris. On coupe à travers champ pour aller dans la rivière ou tu veux longer la route encore en descendant? Non, on n'est pas obligé de longer la route, ouais, on peut limite aller au plus court quoi, on va tout droit d'ici jusqu'à notre point. C'est ça, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais azimut 100. Et ben on fait ça. Allez, okay. C'est parti 110, allez choc, c'est parti, on y Ragboy, va. Vas-y. Le 600 Benji, hop, prêt pour moi. Voilà, alors ça, c'est vrai que la boussole s'affiche comme ça, moi c'est un bouton que j'ai mis sur la souris. On est à bouger. C'est pratique. Pour discuter avec mes collègues aussi, c'est un bouton push to talk. Il y a des présences civiles effectivement au croisement dans le village à droite. D'accord, merci. Pour l'instant, personne devant moi. Oh, un petit freeze. Oh putain, civil sur la gauche, ouais. Ok, je recoupe un peu plus. On s'arrête, toi. Trois civils sur notre gauche. La bête pour l'ISTI, on a C4 qui a une des 5. Ok, reçu, bah. Tu lui dis que le point est sur carte et qu'il rejoint le point. Enfin, C4, tu rejoins le point qui est sur carte nommé ici. Bah, il faut qu'on bouge rapidement parce que là le civil il va revenir sur sa position initiale, je pense qu'il va en se balade. On essaie vite d'atteindre ou de traverser la rue. Les autres vous nous rejoignez. Dark, toujours avec moi. Dark, on avance, t'es toujours avec moi. Dark Ballister, tu veux que je coupe la progression? Très bien, traverse la route. Ouais, vous pouvez. Un civil sur la route. Ok, je stop. J'attends. J'attends votre ordre. Ok, je coupe nord, pareil. Sud-ouest. Ok Sylvain, j'attends pour l'instant. Tu me dis. Ouais, si. Ok, ouais, je me répartis. Vas-y, tu traverses. Et puis tu me dis si c'est bon. Et on fait tous, on suit en groupe. Ok, bien pris, c'est parti.
j'avance un peu histoire de laisser quelques buissons à mes amis. Les recouvrir. Qui a repéré un tireur sur le toit de la maison de Ben Laden et une petite patrouille de trois autour. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a terminé. Bien reçu. Ouais, tout à fait. J'avance. Allez, vas-y, Ride Boy, vas-y. On y va. Ok, je fais une pause là. Mon fidèle saucisson. Ok, à tous, on a un visuel sur le théâtre d'opération. Donc méfiez-vous, il y a un sniper qui se situe sur le toit de la maison à Oussama. On va essayer de garder un maximum de couvert et dès qu'on peut, on se fout dans cette putain de rivière asséchée. N'oubliez pas d'accuser réception. C'est bien pris. J'accuse. Ok, on va plein sud de Rag Boy. Ouais, vas-y, Rag. Je suis en train de checker. Hein. Ouais, donc ils ont vu un sniper. Ouais, on est parti derrière. Vas-y, mute. Véhicule ouais. Sur la route. Vas-y, Sylvain, Lister, on a un véhicule. Vas-y, mute 190. Ouais, c'est bon, non, armé. Ok, ouais. J'ai un civil. Ok, Derek Boy, je rejoins la rivière. On y va. Vas-y. Pour l'instant, j'ai vu aucun contact sur ma base. Je vais me tromper dans les touches là, il y a tellement de touches. Ne vous inquiétez pas derrière, le véhicule est civil. Ouais, mais quand même, faut pas avoir de contact avec les civils. J'en ai reparti. Ok, de Rag Boy, je suis à la rivière. Voilà, j'atteins la rivière. Tu m'entends, Hub? De Sylvain, Lister, on est au niveau de la rivière. Ok, nous aussi. Essayez de vous mettre le plus dans le creux pour avoir un couvert par rapport au dévers de la rivière et on progresse sur le point ici. Bien pris. Je m'exécute, monseigneur. Ok, donc on va continuer à progresser. Hein. Ouais. À traverse, mets-toi de l'autre côté de la rivière. Contact Tami sur la gauche. Lumineuse de véhicule au pied de la villa. Oui, contact Tami sur la gauche, c'est l'équipe soutien. Il y a un véhicule avec plusieurs ennemis à l'intérieur qui patrouille autour de la villa. On n'a pas plus d'informations, terminé. Qui a bien pris Maximo. À partir de maintenant, Sylvain, tu te méfies grave. On va peut-être arriver dans la zone, dans le périmètre où les patrouilles peuvent faire leur patrouille, justement. Ok, bien pris. Allez, continue, Rayboy. Fais vraiment attention. L'ordre de tir, vous ne tirez pas tant qu'on n'en a pas donné l'ordre. Et même si c'est pour répliquer à des tirs ennemis, l'idéal c'est qu'on se fasse discret. Si on se fait tirer dessus, on se barre, on se met à couvert, mais on ne reste pas sur position. Vu le skill des IA, on va se faire déglinguer si on bloque sur une position. Ok, bien pris. Eh ben. Patrouille ennemie, à terre. À terre, tout le monde, à terre. Je confirme, patrouille ennemie, en 110. De Rag Boy, patrouille. Loin ou pas? 3, ils sont 3. Combien, Rag Boy, ils sont à combien de distance? Oh. Confirmez la longueur? Ah, vas-y, allez, vas-y. 150 mètres, 200 mètres, 3 mecs.
200 mètres. Ok, vous bougez pas. Si vous voyez qu'ils viennent sur vous, vous vous éloignez, vous essayez de rester caché. Pour l'instant, on va rester ici. Benji, couvre le com. Donnez un max d'infos sur eux plein pour savoir à peu près où ils nord-ouest. Nord-est, excuse-moi. Regardez pas tous au même endroit. Juste Rail Boy et Saucisson, vous regardez les deux mecs. Nous, on s'occupe du reste. Ok, la patrouille ennemie se dirige vers le nord, on va les laisser avancer. On va balancer les communications aux autres équipes. Et pour l'instant, la seule chose que je vous demande, c'est de checker tout azimut pour voir s'il y a pas autre chose. Ok, okay, bien après. Lister, t'as un visuel sur la patrouille, tu peux nous informer quand est-ce qu'on peut reprendre la marche. La patrouille, ouais, elle se dirige vers le nord, là pour l'instant elle s'éloigne de notre position, donc on va laisser partir devant. Ok, bah, j'attends tes ordres pour bouger. Ouais, de toute façon apparemment, là on vient de constater que l'équipe de DHP venait de passer à l'arrière de nos positions, donc les équipes de soutien sont pas encore en place, donc on a encore le temps avant de progresser. Voilà, petit moment tendu là, la tension redescend un petit peu. Surtout éloigner son doigt de la gâchette. Parce que alors là, même si j'ai un silencieux, ça pourrait les prévenir. Et c'est du one shot direct ou presque. Même s'il fait assez nuit, on va voir. Ouais, c'est une nuit claire. Il y a la lune. Ouais, pleine lune. Ouais, nuit claire. Pas très avantageux pour nous. Mais bon. Ouais, on est trop dans le creux, ouais. C'est pour ça qu'il en faudrait une azimut 0. Une équipe de soutien. C'est une réception ou je sais pas si vous m'avez entendu. Ah non, rien entendu. Je disais, vous avez continué la progression tout en checkant dans la continuité du lit de la rivière. Vous restez bien à couvert, vous descendez, on se protège du lit de la rivière. L'idéal, c'est qu'on n'ait même pas besoin d'avoir un visuel sur l'objectif. Juste que se cacher et on sert comme d'un couloir jusqu'au point et après on bifurquera. Ça veut dire que je dois aller rester jusqu'au point ici. Ça veut dire que je vais rester alors 6 heures. Oh là là, vas-y, Rail Boy. C'est bon, on peut se lever. Hop, les gars, on suit. Vous avez repéré du contact ou l'autre escouade support? Ouais, tout à fait. Ah, nous on a repéré du contact, une patrouille de 3 hommes qui était entre 100 et qui se dirigeait en 60 plein nord. Et là, elle a disparu. Ouais, mais elle a dit c'était il y a déjà 5 à 10 minutes. Et elle là, se dirigeait à 10 minutes 60, c'est ça? Plus au nord, ouais, plus au nord. D'accord. Contact armé? Oui, 3 hommes armés, ils étaient à 300 mètres. Il y a 2 visiteurs, j'ai la patrouille des 3 mecs. Okay. On va essayer de garder l'œil dessus. Attends, 80. 80. Par rapport au lit de la rivière. Tu as un visuel? On est dos à eux, donc c'est Lister qui dit ça. Ok, donc on est dos à... ils sont dos à nous. On va avancer sur la position. Excusez-moi. Ok, Oscar, on va sur la position support 2 et on avisera. Allez, courage, Taylor. Ok, bien pris, je les vois. Rayboy, go. Attends, parce que je les vois pas. Alors, moi, j'avance pas si. Ah, ça y est, je les vois. Ok, je les vois. T'inquiète, j'ai un visuel sur eux depuis tout à l'heure. Ok, donc ils sont là. Trois petits bons hommes. Continue dans le lit de la rivière, les gars. J'en vois qu'ils traversent pour aller à droite. C'est pas nous, il y a une autre équipe qui est avec nous, Lister. Ok, bien pris, je crois qu'il y en a qui font de la pub. On leur a transmis les infos avec la patrouille. 3 Gamers Fly Monster. Merci, ça fait plaisir. Putain, musique de tension là. Ils vont disparaître, voilà. Il faut connaître les tactiques militaires, on nous les apprend, hein. Il y a des formations tous les vendredis. Donc vous pouvez tout apprendre à piloter un avion, obéir, devenir général, simple soldat. Ok, c'est bon pour la patrouille, elle est passée de l'autre côté de la crête.
commence d'abord par simple soldat. Après AT, après Medic, car Medic on utilise le X-Med 6 qui offre beaucoup plus de variantes à la mort définitive et au revive simple. Vous pouvez avoir les jambes cassées. Sylvain, leader, est-ce que tu peux demander aux snipers de voir si les mecs vont pas revenir sur nous la patrouille, vu qu'on va être juste en dessous d'eux. Ok, bien pris. Donc il y a un tas de choses à apprendre. Mitrailleur, c'est pas forcément peut-être le plus compliqué. Rifleman non plus, mais bon, l'un comme l'autre, vous allez ouvrir. Donc il va falloir savoir couvrir. Pour information, je mettrai, comme d'habitude, le lien sur YouTube pour nous rejoindre, si vous souhaitez. Attention, il faut quand même être sérieux. C'est une communauté ouverte. Et voilà, là j'ai pas pu le mettre, je découvre Twitch, hein. J'ai pas eu le temps de... Sylvain, stop ta progression s'il te plaît, sur ta prime, un endroit bien, on se met au niveau des rochers. Ok, on remonte. Ok, de Rackboy, je couvre l'est. Derrière. Je couvre nord, moi. Je veux dire, je regarde sud-ouest. Ouais. Ouais, mais c'est bon. Je prends pas de risque. Ouais. Bon, bah pour un stress test, c'est pas vraiment ça quoi. On est monté à 16, et on est ressorti à 7 viewers. Bon, okay, c'est pas grave, hein. C'est le début, puis en plus c'est laborieux comme début, donc je vous comprends. Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, en semaine, tu regardes peut-être pas ça. Je vois qu'en fait, les gens, ils aiment bien regarder en décalé. Donc, bon, on verra si je continue sur le stream ou si de temps en temps et que je privilégie plutôt les vidéos à regarder en différé. Ok les petits loups, écoutez, on a eu des rafraîchissements du commandement, alors apparemment en fait tout ce qui a été indiqué jusqu'à maintenant comme contact, c'est à peu près ça. Donc il y a un véhicule avec 4 contacts, quelques mecs en patrouille et puis quelques mecs dedans, rien de très méchant a priori, terminé. Ok, bien pris pour ça. Kralby, tu m'envoies désolé, je sais que chez d'autres ça fonctionne, donc je sais pas trop comment faire, puisque chez certaines personnes ça fonctionne bien, d'autres chez ça fonctionne pas du tout. 3 secondes puis après ça freeze. Donc je peux juste te dire que je vais tenter prochainement d'autres logiciels comme XSplit ou peut-être via YouTube,
via Dailymotion, paraît-il. Ok, Viper 2 est super. Alors, bon, occupé, ils arrivent pas à s'occuper de. On va tester, hein. Il y a tellement de logiciels, bon, tellement d'offres possibles que voilà. Malheureusement, il faut des phases de test et il faut que vous vous les subissiez autant que moi. Oui, tu peux suivre le stream tout en faisant ta cuisine. Vous allongez, on progresse légèrement pour essayer de checker un peu l'objectif avant un saut. On progresse, mais dans quelle direction? Parce qu'on est au point ici. Ah, il va en mettre un autre. 150, azimut 150. On progresse légèrement, 150. On se lève juste en haut. Ah, ouais. Et on check pour voir ce qui se passe et après on redescend. Ok, bien pris. À tes souhaits. Sylvain, c'est bon, on y va? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti, mon kiki. Putain, rien qu'à sortir le nez, là, j'ai peur. Ok, je me fixe. Ça suit pas, apparemment. De Sylvain à Lister, pour l'instant on voit rien du tout. Ok, bien. Ouais, j'ai un visuel sur l'équipe support déjà qui est en azimut 250, très très loin dans l'île de la rivière. Vous me dites, hein, quand est-ce que je continue? Je prends que 3. J'ai que 3 là. Il manque Sylvain et Coge. Ouais. De Ragboy à Sylvain et Coge, on a progressé juste au rocher. Où êtes-vous? On est au rocher à ta droite. Ok, donc ils doivent rester en contrebas. Non, je vais le regarder. Ah, ok, d'accord. Bon, allez, on avance. C'est bon. Putain, je vois rien sur la gauche là. Et ouais, je suis en train de ramper là, et vous êtes tranquillement assis chez vous, en train d'essuyer la vaisselle, ou toute autre chose. Regardez la téloche en même temps, répondre aux questions du quiz sur M6. Ou je sais pas, jouer à autre chose comme les Sims. Whisper. Voilà, c'est mieux comme ça. Sylvain Ragboy, vous voyez quelque chose de votre gros rocher? De Ragboy à Lister, on a bougé du rocher en direction du point Listy. On est en train de ramper sur le haut de la colline. C'était Sylvain qui parlait. Ouais. Bah, c'est les mêmes informations, mais à Sylvain.